仕方がわからない。マネキャンバマンラブなんてのんきなやつにラリアート3回。マニュアル通りにただ抱き合い、愛がないことに気がつかない。窒息する前に叫ぼうぜ Oh in a midnight dream。ばかりの旅人、慣れない足取りもまた愛嬌、決めるとこだけバシッと。 So many people in this world、 時に抽象とかもないわけじゃないけど、つまんないとこをワープして、この筋だけは通し生きてる Love's alone。 Si tu veux frimer en bagnole, commence par être moins ringard. Jamais vu une voiture aussi moche。J'en reviens pas que de nos jours, un gamin ait envie de s'acheter une 85. Ah, c'est cordon. Ça lui rappelle les voitures à pédales de son enfance. Je vous souhaite bon courage. J'espère que vous trouverez un scooter pour vous pousser. Bande de crétins. Là, ils m'ont vraiment énervé. C'est parti. Pas 85, pas moins 8, pas moins 8. Je t'en prie, arrête, Takumi. Takumi. Je t'en supplie, arrête-toi, Takumi. Mais ils sont un peu trop jeunes pour avoir la prétention de nous pousser. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, d'accord, on met la gomme. Que c'est vraiment ma 85 cette caisse. Eh, hey, dis donc, elle se débrouille pas mal, la voiture qui nous suit. Eh, hey, mais on dirait que c'est... J'ai l'impression que c'est la 85 qu'on a vue tout à l'heure. Mais non, c'est impossible. Il ne pourrait pas me suivre en 85. Si, c'est bien la 85 de tout à l'heure. Ces gamins se sont bien payés notre tête. En fait, ce serait pas plutôt une 86?
maintenant. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais mon descente, elle ne l'accélère pas du tout. En plus, ces pneus sont vraiment nuls. Ils accrochent rien. Ah, il roule à une vitesse extraordinaire. C'est mortellement lent. Dans ce cas, je n'ai plus qu'une solution. Intention de me dépasser, il peut toujours s'accrocher. Quoi? C'était quoi, cet ovni? Comment il a fait pour me doubler? C'est pas possible que ce truc soit une 85, c'est au moins une 86. Et une 86 tunée, en plus. Mais avec ce balancement... C'est obligatoirement une 85. Et c'est quoi ce plan? C'est la plus grosse pâtée de ma vie. Elle est monstrueuse, cette 85. Et si c'était... Un café, ça te va? Hein? Tiens. Merci. C'est sûr, maintenant je comprends mieux ce que Iketani voulait dire. Tu ne descends vraiment pas les routes normalement. Tu crois? Je ne trouve rien d'anormal dans ma conduite. Ça va pas, toi. Tu te rends pas compte. Je savais même pas qu'une voiture pouvait rouler comme ça. Hein? Voilà qui va changer ma conception de la vie. J'en suis bouleversé. Est-ce que je t'ai fait peur? Je te prie de m'excuser. Ah, t'excuse pas, Takumi. J'ai jamais été plus heureux qu'aujourd'hui. Hein? J'ai compris que les performances d'une voiture, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. J'ai enfin pigé que même en 85, les capacités du conducteur, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Maintenant... Je vais pouvoir l'aimer, cette voiture. Je vais bien m'en occuper, tu vas voir. Dès demain, je reprends l'entraînement. C'est génial. Même si on se moque de moi, je m'en fiche complètement. Vive ma 85. Mmh. La prochaine fois, on amènera les filles faire une promenade à bord de ma 85. T'es d'accord? Mmh. Et cette fois-ci, tu ne me doubleras pas. Tu veux bien, Takumi? C'est promis. J'ai compris, ne t'inquiète pas. Yahoo! La mer, les filles, les bikinis, me voilà! Ma superbe petite estresse chérie d'amour. Elle m'est enfin rendue aussi belle et aussi rutilante qu'auparavant, la merveilleuse. Pour un peu, j'en verserai une larme. Mais Sophie, tu as failli m'écraser. Je reprends la course intensive dès ce soir. Je vais remonter les vieux pneus pour pouvoir m'entraîner à déraper. Moi aussi. Ça y est, visez-moi un peu ce superbe autocollant. J'espère que c'est OK. Eh bien, oui, je crois que c'est d'accord. Avec ça, je suis enfin membre des Speedstars à part entière. J'y vais. Il est grand temps de mettre en application la leçon de Takumi avant d'oublier la descente d'hier. Comment? T'es monté dans la 86? Je suis monté, mais pas dans la 86 de Takumi. Ça veut dire quoi, ce sourire en coin? Allez, Itsuki, crache le morceau. Je sais pas. Je t'offre un plein de carburant. D'accord, d'accord, d'accord. Je vous raconte tout.
Bon, je lui ai demandé s'il voulait bien conduire ma 85. Et on l'a descendu à Kina. C'était hallucinant, complètement dingue. C'était la première fois de ma vie. Et je peux vous dire que c'était impressionnant. Ma 85 s'est tournée de côté bien avant le virage. On a dérapé, dérapé. Et tout le panorama a défilé sous mes yeux par le pare-brise. Le genre de moment magique qu'on n'oublie pas. Il a dérapé avec la 85. Lequel de vous deux a pris de la drogue ? Il a une sacrée maîtrise du véhicule. Dans la suite de virage en épingle, il a doublé deux voitures de voyous par l'intérieur. Waouh ! Je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Hein ? Patron, vous y croyez, vous, à une histoire aussi bizarre ? Même pour Takumi, une 85 reste une 85. Effectivement, ça me paraît assez difficile à avaler. Je vois mal une 85 faire ça. Vous êtes pas très sympa, les gars. Moi, je vous dis la vérité. Et vous voulez même pas me croire. Ah, si Takumi peut conduire une 85 de cette manière, cela signifie qu'il peut adapter sa technique de façon beaucoup plus efficace que ce que j'avais imaginé. La 85 et la 86 ont la même carrosserie. Est-ce que ça veut dire qu'elles se conduisent de la même manière ? Non, ça n'a rien à voir. La 85 a des roues standards, alors que celles de la 86 ont été améliorées pendant longtemps par Bunta. La différence entre les deux qualités est très importante. Si j'ai bien compris, Takumi est capable de maîtriser n'importe quelle voiture. Oui, au moins celle de type FR. Plus précisément, je pense qu'il est à même d'utiliser tout leur potentiel. On dit souvent qu'on ne peut pas tricher avec la 86. Que sans une solide expérience de conducteur, il est impossible de la contrôler. Mais celui qui la maîtrise devient un as du volant. Je me souviens que Bunta répétait souvent cela. Initial D. Tu as vu, sur la voiture qui vient de passer, il y avait un autocollant, celui des Night Kids. Et regarde les roues, c'est bien la voiture d'un coureur. Et d'ailleurs, rien qu'à sa manière de se balancer, on voit tout de suite que les roues sont modifiées. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas si t'as remarqué, mais on voit de plus en plus souvent les Night Kids à Akina ces derniers temps. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, à ton avis ? Bah, je sais pas, mais comme Nakazato a perdu la dernière fois, je pense qu'ils auront du mal à trouver encore quelqu'un d'assez audacieux pour oser venir réclamer son reste. Je vais te dire, quoi qu'il en soit, c'est bien fait pour lui. Depuis que Takeshi a perdu contre la 86, ça lui a drôlement rabattu son caquet. Il fait moins le malin. Bonsoir, messieurs. Qu'est-ce que je vous sers ? Deux cafés, s'il vous plaît, mademoiselle. À propos, Shingo, j'ai entendu dire que ce type des speedstars à la 86, il est plutôt jeune. Ouais, je ne sais pas à quoi ressemble ce gamin, mais ce que je sais, c'est que si je battais cette 86, je prendrais la place de cet arrogant de Takeshi. Je deviendrais ainsi le plus rapide des Night Kids. Tu penses pouvoir le faire ? Tu es rapide en descente, mais l'autre, il a l'air fort aussi. Même en course normale, je peux l'égaler. Mais ce n'est pas très amusant, les courses normales. J'ai une idée de génie pour gagner à coup sûr. Tu verras ça, je m'apprête à faire une descente spectaculaire, une descente comme tu n'en as jamais vu de ta vie. Il ne restera qu'un spécialiste des descentes, et ce sera moi. La 86 a fait son temps. Je l'enverrai s'écraser dans un déluge de feu au fond du ravin. Retiens bien le nom du coureur le plus rapide de Gunma. Il s'appelle Shingo Shoji des Night Kids. Oh. Où est Ryosuke ? Mon frangin ? Il est enfermé dans sa chambre. Il passe toutes ses journées à pianoter sur son ordinateur. Je ne sais pas trop ce qu'il fabrique. Dans tout Gunma, il n'y a que lui pour améliorer sa conduite sans bouger ses fesses de sa chaise. Dis-moi, Hiroshi, que se passera-t-il selon toi quand mon frère courra contre la 86 ? Ce
qui se passera, selon moi, je crois que Ryosuke en sortira victorieux. Pendant la course de l'autre jour, il a parfaitement observé tous les paramètres. Toutes les données sont à sa disposition. Je suis sûr que le scénario gagnant est déjà écrit. Personne ne connaît les voitures aussi bien que mon frère. Il possède une technique hors du commun. Je ne peux pas imaginer qu'il perde. Dans ce cas... Mais je n'envisage pas non plus que la 86 puisse échouer. Je trouve ce dérapage à grande vitesse fascinant. Un contrôle des freins aussi précis et subtil, ça aussi c'est du jamais vu. En tant que conducteur de FR, je suis peut-être moi aussi devenu un fan de la 86. Toi, Keisuke ? S'ils font une course, un des deux perdra forcément, et je ne veux surtout pas que ce soit mon frère, mais je crois que je vivrai tout aussi mal le fait de voir la 86 perdre. C'est un sentiment étrange. Oh, pardon. Je t'ai pas éclaboussé. Oh. Tu peux prendre le plateau, s'il te plaît. Takumi, on retournera se promener ensemble. On pourra aller à la montagne ou à la campagne. Ou retourner à la mer, c'est pas mal non plus. C'est encore les vacances. Allez, il faut bien en profiter. Oui, tu as raison. On pourrait passer la nuit sur place. Ça m'embête pas, tu sais, tant que c'est avec toi. C'est quand ton prochain jour de congé? Encore dimanche? Je ne sais pas, c'est pas fixe. Quand tu le sauras, ça te dirait qu'on se programme une sortie? On pourrait prendre ta voiture. Tu veux bien? Mmh. Et cette fois-ci, tu ne me doubleras pas, d'accord, Takumi? Est-ce que ça te gênerait qu'on emmène Itsuki avec nous? Hein? Itsuki? Tu crois que tu aurais une copine à lui présenter? Oui. Il est sympa, mais il n'a pas de chance avec les filles. Ben, tu es sacrément généreux de chercher une copine pour tes amis. C'est pas ça, mais il a besoin qu'on le soutienne un peu. Bon, allez, c'est d'accord, je vais voir si j'ai une copine disponible. Je te remercie beaucoup. Ça doit bien exister, une fille plutôt mignonne qui corresponde à Itsuki. Aussi, je vais essayer. Je commence à piger le truc pour bien faire tourner l'arrière en dérapant. Ce qu'il faut, c'est synchroniser freinage et mouvement du volant. Oui, je sais, c'est le frein à main qui provoque le dérapage. Après, il faut contrôler la glissade. Tu sais, Iketani, quand je suis monté à côté de Takumi, j'ai bien observé tout ce qu'il faisait. Et je suis sûr qu'il n'a jamais utilisé le frein à main pour déraper. Takumi n'utilise que la pédale de frein. C'est une technique beaucoup plus complexe à maîtriser, les gars. On a encore un bout de chemin à faire avant d'en arriver là. Oh. Avant, je décélérais pour entrer en grippe et je ne réaccélérais qu'en dérapant vers la sortie. En anglais, on appelle ça un power slide. C'est amusant mais rudimentaire. Hein ? Pour faire un vrai dérapage, digne de ce nom, il faut entrer dans le virage en dérapant, comme Takumi, et redresser en retenant la glissade. C'est beaucoup plus rapide, tu ne perds pas de temps pour relancer ton véhicule et surtout ça a de la gueule. Quel savoir encyclopédique. Tu as dû pas mal plancher pour apprendre tout ce que tu sais. Il fallait bien que je m'occupe en attendant de récupérer ma belle S13. J'ai eu le temps de feuilleter pas mal de magazines. Moi aussi, j'aimerais bien m'exercer à faire des têtes à queue. Ça doit être vraiment génial. Ça y est, moi je commence à bien maîtriser le tête à queue maintenant et j'en suis vraiment content. À présent, je vais m'essayer au tête à queue en virage à faible vitesse. C'est bien plus difficile. Vas-y, Iketani, on est de tout cœur avec toi. Fais quand même attention aux autres voitures! N'oublie pas qu'on est de tout cœur avec toi!
C'est vraiment dur de contrôler parfaitement son véhicule. J'aimerais devenir comme Takumi. J'ai envie de remonter en voiture avec lui. S'il accepte, je lui demanderai de prendre ma voiture, comme Itsuki. Je pense pouvoir apprendre beaucoup en le regardant. D'où il sort, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il me rentre dedans! Mon petit bonhomme, je ne sais pas ce que tu veux, mais si tu me cherches, tu vas me trouver, tu vas voir! Dépasse-moi si tu peux! Speedstar. Sauvé. En poussant l'arrière juste avant le braquage, il n'y a plus de charge pour équilibrer et ça part directement en vrille. La FR, c'est vraiment trop instable. Je dirais même minable.